Mesdames et messieurs, mes chers amis, madame la ministre Bérangère Couillard, cher Éric Orsenna, à distance, qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre pour cause de Covid, monsieur le préfet, madame la sous-préfète, madame la conseillère départementale, messieurs et mesdames les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, madame l'ambassadrice Sylvie Lemay, monsieur le conseiller honoraire de l'UICN et surtout, chers amis de l'UICN, partenaires et experts du comité français, je suis très heureuse d'ouvrir aujourd'hui à Beauval notre congrès français de la nature 2022. Je remercie tout particulièrement Rodolphe Delors, Cécile Erny pour nous accueillir ici à Beauval et toute l'équipe du comité français et du zoo de Beauval qui ont contribué à faire de ce congrès une réussite. Hier, nous étions réunis pour fêter les 30 ans du comité français, alors je pourrais commencer par vous dresser les mérites du comité français, mais aussi nos travaux depuis 30 ans, 30 ans de politique publique, 30 ans de décrets, de lois et d'ordonnances, près de 40, la création d'agences, etc. Mais ce que j'aimerais avant tout mettre en avant ce matin, c'est la réussite de l'UICN, les valeurs de l'UICN, et ces valeurs, ce sont la richesse des hommes et des femmes qui la composent, qui s'engagent le plus souvent bénévolement, pour créer des outils de connaissances scientifiques, pour créer des outils efficaces et incontestés dans le monde entier, pour rendre la biodiversité concrète et mesurable, incontournable et désirable. Nous le savons, nous, membres de l'UICN, militants de la biodiversité, qu'on ne remarque pas les oiseaux qui disparaissent, les anguilles qui ne remontent plus les rivières, les arbres qui partent en fumée, comme cet été, la biodiversité qui se fait de plus en plus silencieuse. Nous savons les pressions qu'affrontent chaque jour les élus locaux pour créer de l'activité et des emplois sans détruire la biodiversité, pour lutter contre le réchauffement climatique sans consommer des terres, pour refuser les innombrables zones commerciales qui grignotent la nature. Nous savons que pour faire face à l'érosion de la biodiversité, il faut avant tout refonder notre rapport au vivant. Il faut refonder notre contrat éthique et assumer une dimension transversale à ces enjeux économiques et sociaux. Un an après le congrès de la nature à Marseille, nous pouvons nous réjouir de ce qui a été accompli. C'est grâce à vous tous, grâce à votre mobilisation essentielle de tous les jours que nous avons obtenu des résultats concrets. C'est grâce à vous que notre contribution pour accélérer l'agenda international sur des questions clés pour l'humanité a été entendue. En participant aux rencontres internationales depuis le congrès de Marseille, comme la COP15 pour la biodiversité, la COP26 sur le climat à Glasgow, le One Ocean Summit à Brest, le Forum mondial de l'eau à Dakar, le comité permanent de la CITES à Lyon, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, le Forum urbain mondial à Katowice et la conférence de l'ONU sur les océans à Lisbonne, nous avons fait avancer ces sujets que nous avons obtenus et fait voter au congrès mondial, et pour lequel nous avons obtenu des victoires. Nous nous réjouissons tous de l'annonce du président de la République pour arrêter l'exploitation minière en pleine mer et éviter que ces activités humaines ne mettent en danger les écosystèmes marins. Oui, comme le rappelait le président de la République à Lisbonne, nous devons comprendre pour mieux protéger. Nous avons amplifié l'effort de protection des forêts pour faire mentir Chateaubriand qui disait que les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent. Nous avons fait du sujet trafic un sujet politique et je me réjouis que l'Assemblée nationale ait décidé de créer un groupe d'études sur cette question après le dépôt de nombreuses questions écrites et de propositions de loi de parlementaires. Plus nous sommes présents à ces moments clés, plus nous accélérons nos actions de protection de la biodiversité. Alors merci également à Madame l'ambassadrice Sylvie Lemay de porter ses voix pour la France et la voix de l'UICN dans nos négociations internationales. Un an après le congrès, je me réjouis également que l'année écoulée nous ait permis de consolider notre deuxième place de pays au monde de l'UICN, le deuxième pays le plus grand en nombre de membres, grâce à de nouvelles adhésions d'établissements publics, d'ONG, de collectivités locales, et également grâce à l'arrivée de nouveaux experts. Nous diversifions ainsi notre réseau et la diversité de l'expertise du comité français. Cela nous permet d'agir plus efficacement face aux problématiques importantes de notre temps et grâce aux problématiques nouvelles,
Alors à ceux qui vous nous rejoignez aujourd'hui pour la première fois, ceux qui êtes ici pour la première fois à un congrès mondial, bienvenue. En cette période de crise, il nous faut saisir l'incroyable opportunité de penser autrement notre façon d'interagir avec le monde du vivant. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine montrent une nouvelle fois la nécessité de changer notre rapport à la nature si nous voulons transmettre à nos enfants une planète vivable et désirable. On voit bien que le climat, la nature, l'humanité sont inséparables. Les liens entre les crises climatiques et de la biodiversité sont clairs en termes d'impact et de solutions. Ensemble mobilisés, nous sommes déjà une partie de la solution. Ensemble, j'ai espoir que nous puissions inverser cette tendance et donner de nouvelles perspectives aux générations futures. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix, au sein du comité français, d'associer de jeunes experts pour leur permettre de dessiner eux-mêmes un avenir avec des perspectives plus positives que les nôtres. Nous sommes fiers de cette jeune expertise et j'espère que nous saurons leur transmettre l'essentiel de ce que nous avons appris les 30 dernières années et les valoriser les prochaines années. Des rendez-vous importants s'ouvrent les prochaines semaines. La COP 14, Ramsar, la COP 27 pour le climat, la COP 19 pour la CITES et la COP 15 pour la biodiversité. Ce calendrier est une opportunité unique de continuer à porter nos messages à l'échelle internationale. En tant que présidente du comité français, avec l'ensemble des membres du bureau, nous souhaitons continuer à poursuivre l'inclusion des communautés locales. Notre programme PPI de soutien aux pays du Sud est une réussite saluée par les membres de l'UICN du monde entier et pour lequel les bailleurs ont renouvelé leur confiance lors du dernier congrès à Marseille. Notre présence en Outre-mer est aussi indispensable. Grâce à ces territoires, la France est présente dans 4 des 24 points chauds de la biodiversité mondiale. Grâce au comité français depuis 1993, la France y développe une connaissance unique. Le réseau francophone, enfin, dont je salue le coprésident Mamadou Diallo, conseiller honoraire de l'UICN, qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui et qui donne à notre comité français une envergure internationale, réseau francophone qui est essentiel pour parvenir à notre objectif de 30% d'aires protégées à l'horizon 2030, dont 10% de protection forte. Faire rayonner la position de la France, c'est aussi ce que nous faisons en multipliant les échanges avec les comités de l'UICN du monde entier, en défendant au Conseil, où j'ai l'honneur de vous représenter, la relation climat et biodiversité, ou des choix éthiques pour les partenariats économiques, ce qui n'est pas toujours facile. Avant de conclure, j'aimerais remercier et porter à votre connaissance tout le travail qui a été fait pendant 30 ans par ceux qui m'ont précédé. Nous pouvons avoir une pensée pour Gérard Sourniac, qui a été le premier directeur du comité français, tous les précédents présidents qui sont pour partie ici avec nous aujourd'hui, Patrick Blandin, Christophe Lefebvre, François Letourneux et Bernard Cressan. Et surtout remercier ceux qui font le travail du quotidien, nos présidents de commission, nos présidents de groupes de travail, le bureau, le directeur Sébastien Moncor et les 35 collaborateurs de l'UICN qui font de l'UICN ce qu'il est aujourd'hui. Alors merci à tous, je vous souhaite un bon congrès. Entendre un message de l'UICN International avec la vidéo de Bruno Oberlet, directeur général. Chers membres du comité français de l'UICN, je tiens à vous remercier pour vos travaux engagés en faveur de la protection de la biodiversité. C'est des membres actifs comme vous qui produisent l'autorité et génèrent la force de l'Union. Merci. Le pouvoir rassembleur de l'Union a été démontré encore une fois par le succès du congrès de Marseille l'année passée. Et un tel succès n'aurait pas été possible sans la grande mobilisation des membres du comité français. Et votre dynamisme continue depuis lors, contribuant ainsi à la réalisation du programme Nature 2030. Et je vous en suis reconnaissant, même si ce dynamisme me cause parfois des maux de tête. Le travail de l'Union continue. Je suis ravi de vous annoncer que la plateforme Contribution pour la Nature sera inaugurée la semaine prochaine au premier IUCN Leaders Forum à Jeju.
Cette plateforme numérique permet à toutes les parties de l'Union de partager leurs contributions et leur engagement en vue d'atteindre les objectifs du programme et donc les objectifs du cadre mondial pour la biodiversité. Je vous invite à montrer vos contributions, les contributions du Comité français sur cette plateforme. Au Congrès français, vous préparez également des résolutions pour le Congrès mondial de l'UICN et vous analysez l'état de mise en œuvre des anciennes résolutions. Ceci est très important car les résolutions de l'UICN nous donnent le mandat pour notre travail dans le monde entier. Et en fait, à l'approche de la 15e conférence des parties de la CBD à Montréal, c'est exactement une telle résolution qui forme les messages clés de l'UICN. Les membres de l'UICN présents au Congrès mondial de la nature à Marseille ont fortement approuvé et soutenu l'engagement de l'UICN en faveur du cadre mondial pour la biodiversité post-2020 par le biais du manifeste de Marseille et par de nombreuses décisions du Congrès, notamment en forme de résolution, élaborer et appliquer un cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 transformateur et efficace. Afin de concrétiser la vision d'une vie en harmonie avec la nature, le cadre mondial pour la biodiversité de l'après 2020, à travers ses objectifs et ses cibles, doit viser à mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité d'ici 2030 et assurer sa reconstitution et sa restauration d'ici 2050. Nous avons besoin d'un cadre simple et rationalisé dans lequel les objectifs, les jalons et les cibles mondiaux sont reliés de manière transparente, mesurable, étayée par la science et directement liée à des résultats explicites. Que doit-on donc inclure dans ce cadre? Conserver au moins 30% à l'échelle mondiale de nos océans et de nos terres d'ici 2030, en reconnaissant les territoires conservés par les autochtones et les communautés locales. Restaurer les écosystèmes dégradés en s'inspirant des principes de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Accélérer la conservation des espèces grâce à un plan d'action mondial pour les espèces. Faire progresser les solutions fondées sur la nature à l'échelle, conformément à la norme NBS de la IUCN. Augmenter les ressources financières et les flux financiers internationaux pour la conservation afin de financer les actions en faveur de la biodiversité, de mobiliser des fonds privés et d'améliorer la mobilisation des ressources nationales. Je sais que vous continuez à faire pression pour ces priorités alors que nous dirigeons vers Montréal et je vous en remercie. Je vous souhaite des discussions stimulantes et beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Bon congrès. Je crois que le directeur a fait mention des nombreuses motions du comité français qui arrivent à chaque conseil de l'UICN depuis 30 ans, mais avec une accélération des 2 dernières années. Je vous propose maintenant de retrouver Éric Orsenna. Éric Orsenna, qui est président de l'Initiative pour l'avenir des grands fleuves, membre de l'UICN, mais qui est également la personnalité de qualité que nous connaissons, membre de l'Académie française, qui devait être avec nous ce matin, et qui malheureusement, pour des raisons de santé et de Covid, n'a pas pu nous rejoindre. Alors, il a accepté d'intervenir à distance et malgré sa condition de santé, on l'en remercie. Bonjour, Eric. Alors, je pense que je me tourne vers la technique. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Bonjour, Eric, et merci d'être avec nous ici aujourd'hui. Ben, écoutez, comme disait l'ancien Premier ministre, M. Raffarin, je suis positif, c'est-à-dire pour la troisième fois, je suis de nouveau positif à cette Covid. Donc, je préférais ne pas trop vous contaminer, puisqu'il s'agissait de vie. Alors, je voudrais rapidement vous dire deux, trois choses qui sont des évidences. La première chose, c'est que sans eau, sans ressources d'eau, il n'y a pas d'existence. Alors, je voudrais vous rappeler quelques petits éléments de base. 4 milliards d'êtres humains vivent en état de pénurie régulière d'eau à un moment ou à un autre de l'année. 3 milliards ne peuvent pas avoir ces gestes de santé évidents comme se laver les mains régulièrement.
80% des eaux sont relancées, rejetées dans les fleuves sans être traitées. Et peut-être surtout, il y a un besoin accru chaque année d'eau de 1% par an. Ce qui veut dire qu'en 2050, il faudra trouver plus de 20% d'eau. Dernier point, l'eau est très inégalement répartie, puisque par exemple en Asie, qui représente 60% de la population mondiale, il y a simplement 30% de l'eau. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'au fond, on arrive à la fin des classes moyennes, à la fois économiquement et climatiquement et aquatiquement. C'est-à-dire ceux qui sont plus riches sont de plus en plus riches, les plus pauvres de plus en plus pauvres, ceux qui ont de l'eau en ont encore plus. Aussi, il y a cet élément, c'est que nous n'avons plus de climat modéré. Et que je me souviens est de climat tempéré. Et je me souviens quand il y a 15 ans, j'ai fait mon premier tour du monde de l'eau qui s'appelait l'avenir de l'eau, on me disait, écoute, tout ça c'est très sympathique Eric, c'est très bien, mais c'est exotique. S'il y a une chose est claire, c'est que jamais en France, nous ne manquerons d'eau. Et notamment dans ma chère Bretagne, puisque voilà, on aura toujours de l'eau. Comme nous savons, en Bretagne, il pleut. Eh bien, cette année, en Ille-et-Vilaine, 500 mm. Alors, pourquoi nous avons créé cette initiative pour l'avenir des grands fleuves? Parce que si l'eau est une matière, la première des matières premières, les fleuves et les rivières sont des êtres vivants. C'est pour ça que nous pouvons tout à fait être dans cette bataille pour la conservation de la nature et que les eaux, et les eaux des rivières et des fleuves sont elles aussi des espèces menacées. Alors rapidement, je voudrais aborder 5 points. D'abord, quelle est la bonne échelle de protection? Vous savez que c'est aussi le cas pour votre lutte magnifique pour la défense des espèces. Eh bien, la bonne échelle, c'est évidemment le bassin. C'est pour ça que nous réfléchissons entre nous en termes d'hydrodiplomatie. C'est l'ensemble du bassin avec le fleuve principal, tous les affluents, les défluents. C'est comme ça qu'il faut gérer ces affaires et non pas en morcelant. Et malheureusement, comme il y a des frontières un peu partout, eh bien, nous n'avons pas la bonne échelle, donc nous n'avons pas la bonne géographie de la protection. Deuxième point, absolument clé, c'est la diversité. La diversité des eaux, chaque rivière, chaque fleuve est singulière. Et les eaux aussi sont singulières. Vous savez qu'il y a une bataille qui va s'ouvrir, qui est en train de s'ouvrir, et la rareté donne encore plus d'intensité à cette bataille pour savoir si on doit réserver l'eau, les fameuses bassines ou non, ou les laisser couler. Eh bien, la question de la diversité, c'est de voir dans quelle situation on est, notamment du point de vue géologique. Il y a des endroits où, évidemment, l'eau, il faut la laisser percoler dans le sol pour qu'elle nourrisse un peu toutes les nappes souterraines. Dans d'autres endroits, quand le sol est très sec et quand il y a des ruissellements massifs, cette eau va directement dans l'océan. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'elle est perdue? Troisième point, l'unité. Alors l'unité, je voudrais aborder deux petites choses, mais géantes. La première chose d'évidence, c'est que la santé de l'océan, c'est évidemment la santé des fleuves, et qu'il n'y a pas, par une sorte d'émergence magique, un continent de plastique au milieu du Pacifique. C'est nous, seulement nous, qui sommes responsables de ces plastiques, et la campagne magnifique de la Fondation Tara l'a montré. Mais il y a un deuxième point sur l'unité. Je me demandais pourquoi, quel était le vrai régime des pluies dans l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, évidemment, c'est la menace posée par la déforestation d'un massif qui s'appelle le Fouta Djallon en Guinée, mais aussi par le Tibet, car c'est des jet streams à 15 km d'altitude qui viennent d'est en ouest et qui se déversent au moment des grandes chaleurs au-dessus de l'Afrique de l'Ouest. Quatrième point, l'immense fragilité des deltas. Tous les deltas du monde sont menacés pour toujours les mêmes raisons, c'est-à-dire la multiplication des barrages en amont, donc la fin, l'épuisement des sédiments nourriciers,
parce que qu'est-ce qu'un delta ? C'est l'enfant de tous ces sédiments et évidemment l'effondrement aussi, la destruction de ces barrières naturelles que sont les mangroves. Et puis comme par définition dans les temps très anciens, il y a eu la végétation qui s'est changée en carbone, en gaz et en pétrole et on creuse des trous partout. Donc les deltas s'effondrent. C'est 600 millions d'êtres humains qui habitent ces deltas et évidemment des endroits de la plus grande diversité d'espèces. Dernier point, qui n'est pas le moindre. Il se trouve que depuis 2 ans maintenant, j'enseigne à l'école de guerre française sur cette question clé de la géopolitique des fleuves, c'est-à-dire les conflits qui sont liés à ce contrôle nécessaire des fleuves, comme par exemple pour le Nil entre l'Éthiopie et l'Égypte. Mais il y a un autre élément, c'est des tensions à l'intérieur des pays et des guerres qui peuvent être assez violentes, voire des guerres civiles, pour se partager une ressource de plus en plus rare qui est l'eau. Donc, bonne échelle, diversité, unité, fragilité, défi. Et enfin, je voudrais vous donner trois rendez-vous. Premièrement, nous avons, avec le Musée des Confluences à Lyon, lancer une grande exposition qui va ouvrir à la fin de ce mois, à la fin du mois d'octobre, qui s'appelle « Nous les fleuves, venez-y, emmenez vos enfants, qui vous voulez, surtout ceux que vous aimez. » Et puis, vous allez voir, c'est vraiment une promenade dans le monde entier, « Nous les fleuves ». Deuxièmement, il se trouve que nous, en Bretagne, comme vous le savez, nous avons vécu une terrible agression de nos oiseaux marins, puisque la grippe aviaire les a frappés, notamment ces merveilleux fous de Bassan. C'est pour ça qu'avec la mère de mon petit village, qui est une musicienne, nous avons repris le conte musical de Prokofiev en l'appelant « Pierre et le fou ». Ça sera bientôt disponible et vous pourrez le montrer aux enfants qui pourront d'ailleurs participer, s'ils jouent un peu d'un instrument de musique, participer à cette représentation. Et enfin, grand rendez-vous en Camargue, qui est vraiment le laboratoire, on va dire, du vivre ensemble, et de tous ces conflits d'usage plus ou moins gérés en bonne harmonie grâce à de formidables tours du Valat. Donc le week-end de l'Ascension, tous, c'est-à-dire à la milieu du mois de mai, rendez-vous tous en Camargue, c'est là où on va encore plus apprendre à vivre ensemble. Merci et à bientôt. Merci Eric de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Je pense que vous avez tous entendu les invitations Lyon, la Bretagne et la Camargue à l'invitation de Jean et d'Eric. Merci, nous serons présents au rendez-vous et puis au plaisir, j'espère, de te retrouver l'année prochaine pour les 75 ans de l'UICN à Fontainebleau, cette fois en meilleure santé. Ben, je vais tout faire pour être là et je vais tout faire pour essayer de donner vérité à mon statut d'immortel. Merci, on peut l'applaudir une nouvelle fois. Merci Eric. Merci et je vous propose maintenant d'accueillir Madame la ministre, secrétaire d'État à l'écologie, Madame Bérangère Couillard, pour conclure cette première introduction. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités pour n'oublier personne, Mesdames et Messieurs, moi je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à Beauval, merci pour l'accueil, pour ce congrès français du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Moi je partage toutes les inquiétudes qui ont été exprimées précédemment par les précédents speakers. La biodiversité est plus que jamais en danger. En France, c'est 50% de nos eaux humides qui ont disparu en 30 ans, 33% des mammifères terrestres qui sont menacés ou quasiment menacés, et en France, 80% des populations d'insectes qui auraient disparu. Donc ce constat, vous le faites et vous le portez depuis maintenant de nombreuses années. Et il est grand temps d'accélérer notre action pour sauver la biodiversité.
Alors, je me suis fixé un grand nombre d'objectifs et d'ambitions à la tête de ce secrétariat d'État. Je veux tout d'abord finaliser la stratégie nationale biodiversité, donc le premier volet pré-COP 15, issu du travail du gouvernement précédemment présenté, et il le sera d'ailleurs, enfin il a été en début d'année et il sera à la base de ce chantier. La version actuelle de la SNB sera enrichie afin de répondre justement à vos attentes, et je sais qu'elle comporte beaucoup de manques. Je veux que nous trouvions ensemble les réponses pour justement les combler. Donc le Comité national de la biodiversité, dont je renouvelle la composition, sera à la base de ce travail. Évidemment, ma volonté, elle s'inscrit dans la planification écologique ambitieuse menée par la Première ministre. La protection de la biodiversité aura une place importante dans les réflexions d'Elisabeth Borne. Donc nous sommes conscients de l'urgence, conscients que la dégradation de la biodiversité est un problème aussi grave que le réchauffement climatique que nous combattons. Je veux, par mon action, porter la protection de la nature au même niveau que le combat qui est mené pour le climat. La pleine mise en œuvre de la SNB, telle qu'elle est conçue, passe par la mobilisation, évidemment, de l'ensemble des ministres, au-delà du pôle ministériel chargé d'écologie. Donc, en lien avec le secrétariat général à la planification écologique, nous organisons actuellement cette mobilisation. Donc, la Première ministre a annoncé le 27 août dernier un fonds inédit d'accélération de la transition écologique dans les territoires qui s'inscrit dans le projet de loi de finances de cette année. Donc ce fonds sera doté de 2 milliards d'euros. Il s'agit bien de crédits nouveaux, tous orientés vers l'adaptation de nos territoires aux enjeux du changement climatique et de la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Le 26 septembre dernier, son contenu a été précisé avec près de 150 millions d'euros dédiés à l'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité. Donc cet investissement, il sera déployé de plusieurs manières. Il y aura 50 millions d'euros qui seront dédiés à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées, 25 millions d'euros pour la protection des espèces. Ça comprend 15 millions d'euros pour des mesures favorables aux insectes pollinisateurs comme la plantation de haies hors secteur agricole, et également 10 millions d'euros pour la conservation de la restauration des espèces menacées dans le cadre des plans d'action, nationaux d'action. Vous savez, ce sont en complément des 5 millions d'euros qui sont déjà dédiés pour la biodiversité dans le projet de loi de finances 2023. À cela s'ajoutent 20 millions d'euros qui seront fléchés vers la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Cette accélération, c'est vraiment très important comme accélération. On avait seulement 3 millions d'euros sur l'année précédente, donc c'est vraiment un pas important à noter. Il y a également 20 millions d'euros qui iront vers la dépollution, dont la lutte contre les plastiques, avec des expérimentations de récupération des macro-déchets, avec des filets et des actions de retrait d'épaves abandonnées dans les aires protégées. Et le fonds consacrera également 35 millions d'euros à la résorption des principaux obstacles aux continuités écologiques. Et ça permettra également de financer la démultiplication des mouillages écologiques de moindre impact sur les fonds marins afin de protéger et de restaurer les herbiers. Donc, vous le savez, moi, je viens de vous le dire, il y a un axe majeur de ma feuille de route qui est le développement des aires protégées. La stratégie annoncée par le président de la République fixe deux cibles majeures, qui est de protéger 30% de notre territoire, dont 10% sous protection forte. Aujourd'hui, si l'objectif de protection est atteint, il reste encore du chemin à parcourir en matière de protection forte. Je souhaite ici affirmer mon ambition et ma détermination à accélérer pour atteindre au plus vite cet objectif avec les territoires. J'ai récemment d'ailleurs classé la réserve naturelle nationale d'Arjusan. D'autres le sauront très prochainement et je m'assurerai justement que les aires protégées supplémentaires soient représentatives de la diversité des écosystèmes, qu'elles soient bien gérées, bien interconnectées et qu'elles puissent créer en fait un réseau robuste d'aires protégées. Donc toujours dans un objectif de préservation de nos espaces naturels, au-delà des 50 millions d'euros du fonds vert dédié à la SNAP, d'autres moyens financiers émergent avec la mobilisation aussi de crédits carbone. Et à ce titre, je peux citer nos herbiers de Posidonie, écosystème emblématique de la Méditerranée, qui constitue aussi un puits carbone majeur. La protection
Enfin, la méthode de protection des herbiers de Posidonie pour le label bas carbone vient tout juste d'être approuvée. Son objectif est de valoriser et de préserver le stock de carbone séquestré au sein des herbiers et je veillerai à la mise en œuvre effective de ce dispositif. Je déploierai également un large catalogue d'actions afin de converger la lutte contre le climat et la lutte contre l'érosion de la biodiversité. La préservation des espèces, évidemment, est une chose, mais la protection des espèces en est une autre. Sur ce sujet particulièrement, je base mon action sur la connaissance et l'expertise scientifique, évidemment des services du ministère de l'Écologie, de l'Office français de la biodiversité, mais aussi de vos organismes, muséums et associations, et c'est évidemment extrêmement précieux pour moi. Un premier outil est la protection des espèces sous un statut en lien avec les travaux de liste rouge coportés par l'UICN France, le muséum et l'OFB. Sur ce sujet, dans un cadre d'évolution du statut d'espèce d'ores et déjà protégé, j'ai modernisé l'arrêté de 2005 protégeant les 7 espèces de tortues marines existantes. Incomplet, j'ai pris un nouvel arrêté intégrant de nouvelles dispositions, à savoir notamment l'extension des règles de protection à la zone économique exclusive. Le plan national d'action est le second outil complémentaire au régime de protection légale des espèces et il est indispensable pour organiser la connaissance et le suivi d'espèces sensibles et pour mobiliser et coordonner également les acteurs. C'est pourquoi nous continuons leur déploiement avec le lancement aujourd'hui de 7 nouveaux plans. Là aussi, l'objectif est de combler les manques. La protection ne se fait pas qu'en métropole, mais aussi évidemment sur les territoires ultramarins, et elle ne touche pas uniquement les espèces animales, mais aussi les espèces végétales. Ainsi, ce sont par exemple la couleuvre de Mayotte, la grande mulette, ou encore la flore endémique de la vallée de la Seine normande et de ses habitats qui vont bénéficier d'un plan national d'action. Toutefois, moi j'ai bien conscience des difficultés de protection des espèces sur le terrain, notamment pour les grands prédateurs. Moi, je comprends l'inquiétude qu'il y a sur le sujet. Nous devons trouver la méthode qui nous permettra de faire coexister le pastoralisme avec ces espèces. Si je reprends le cas du loup, l'objectif de voir ses effectifs augmenter a été atteint, tout comme celui de réduire les dégâts. Il s'agit dorénavant d'accompagner l'augmentation des populations vers des populations viables en gérant au mieux les dommages sur les élevages. Avec Christophe Béchu et Marc Fesneau, nous voulons réussir son acceptabilité sur les territoires et les travaux prochainement engagés pour le futur plan 2024-2027 y contribueront, j'en fixe l'ambition. Vous m'avez aussi fait part de votre préoccupation sur la protection des cétacés. La situation n'est clairement pas acceptable, car les captures accidentelles mettent aujourd'hui en péril les populations des dauphins dans le golfe de Gascogne. Je me suis saisie de ce dossier dès que j'ai pris mes fonctions, parce que la France doit évidemment porter une position ambitieuse qui garantisse la préservation de cette espèce protégée. Aujourd'hui, je vous le dis, les fermetures spatio-temporelles ne sont plus tabous. C'est la première fois que je les évoque avec vous et si elles s'avèrent être la seule solution efficace, nous les imposerons. Nous sommes bien sûr sensibles à la nécessité d'accompagner les acteurs économiques en leur proposant des solutions intermédiaires. Dès cet hiver, d'ailleurs, nous lançons une expérimentation à grande échelle de mesures techniques afin d'objectiver l'efficacité de différents dispositifs répulsifs. Nous équiperons les navires en caméras. Nous ferons ensuite un choix éclairé et pérenne pour garantir la survie des dauphins communs dans le golfe de Gascogne. Je vais être très claire sur ce sujet. Ma priorité est et restera la protection de la nature et certains combats sont aussi symboliques que concrets et celui-ci en est un et je ne l'abandonnerai pas. Le bien-être animal fait également partie de mon engagement. Et la loi adoptée le 30 novembre 2021 modernise la politique de la faune sauvage captive. C'est une avancée considérable et j'ai confiance dans les professionnels pour la mettre en œuvre. Les nouveaux textes, d'ailleurs réglementaires, sont prêts, notamment celui de la nouvelle Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive ou encore celui sur la liste des espèces animales non domestiques que peuvent détenir des particuliers.
J'ai lancé la concertation sur ces textes avec l'ensemble des parties prenantes, puis la consultation publique se fera pour aboutir à une sortie des textes, il faut compter en début d'année prochaine. La question de l'avenir des animaux captifs n'est pas simple. Il nous faut dorénavant trouver un point d'équilibre et le défi réside évidemment sur les refuges et l'accueil des animaux, tant sur le plan technique que financier. Il nous faut trouver le modèle le plus pertinent et je sais pouvoir compter sur vous sur ce point. Nous en avions d'ailleurs discuté il y a quelques semaines maintenant. Mon engagement est aussi à l'international. Madame la Présidente, vous avez évoqué certains événements à venir. Et à la dernière Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement, 175 pays se sont engagés pour élaborer un traité international contre la pollution plastique. La France s'est proposée d'accueillir les prochaines négociations en avril 2023 à Paris. Ces négociations aboutiront, je l'espère, sur un traité contraignant et ambitieux en 2024. À la COP15 en décembre prochain, un rendez-vous extrêmement important, je porterai fort l'objectif de la France de fixer à tous la cible de 30% de protection des terres et des mers d'ici 2030. Moi, je suis fière d'avoir lancé aussi au cours de l'Assemblée générale des Nations unies à New York une nouvelle phase pour aider justement les pays du Sud à mettre en œuvre cet objectif du 30 par 30. J'y ai aussi rappelé l'engagement de la France de porter son aide au développement à 1 milliard d'euros par an en faveur de la biodiversité d'ici 2030. Et c'est grâce à l'engagement évidemment fort des États que nous mobiliserons tous les partenaires. Je pense aux banques de développement et aussi aux fondations privées pour démultiplier les ressources financières pour la biodiversité dans le monde. Vous m'avez aussi alerté sur le sujet de la lutte contre les trafics d'espèces, sur lequel je sais l'UICN France et ses membres très impliqués. À New York, je me suis aussi prononcée à l'invitation de mes homologues américains et norvégiens sur l'opportunité que présentait une alliance mondiale sur les crimes contre la nature, afin de combattre de manière beaucoup plus coordonnée ce fléau, qui est extrêmement lucratif, nous le savons, pour les réseaux criminels. Et je souhaite que votre alerte soit renouvelée en amont de la COP CITES du Panama. Je ne pourrai malheureusement pas y être, pas m'y rendre, malheureusement, mais je serai attentive à ce qu'elle permette de renforcer encore la protection des espèces menacées d'extinction. Et de manière générale, moi j'ai pris le dossier en main, je trouve que c'est un sujet extrêmement important et j'ai sensibilisé le ministre des Transports Clément Beaune. Évidemment, la mobilisation des parties prenantes comme l'aéroport de Paris et Air France est importante et c'est en cours, donc je tenais à vous le dire. Nous sommes aussi preneurs de vos solutions pour avancer sur cette problématique et mettre fin à ces pratiques illégales, donc n'hésitez pas évidemment à m'en faire part. J'espère avoir réussi à vous délivrer ce message. Nous sommes responsables politiques, désormais conscients de la gravité de la crise de la biodiversité. Depuis que j'ai pris mes fonctions, il ne se passe pas une seule journée sans que cette urgence ne se présente comme une évidence. Et j'ai la conviction que nous pouvons vraiment inverser la tendance. Si nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux, si nous ne sommes pas capables de répondre à l'urgence, si nous ne sommes pas assez ambitieux, nous verrons clairement la biodiversité s'effondrer. Donc je sais pouvoir compter sur vous, sur votre mobilisation, et je tiens à vous souhaiter, avant de vous revoir l'année prochaine, si j'ai bien compris, c'est à Fontainebleau, je vous souhaite un excellent congrès. Merci à vous. Merci la ministre pour, Madame la ministre pour vos propos très forts. Alors, je pense que vous retrouverez quelques espèces donc, que vous avez évoquées dans votre discours. Nous vous offrons le livre « Faune fragile » qui met en avant à la fois un aspect culturel et des données scientifiques qui sont portées par l'UICN. Et puis, je vous remets aussi également le manifeste, manifeste éthique, merci. L'avenir du vivant que nous avons publié l'année dernière pour le congrès et dans lequel vous retrouverez l'ensemble des valeurs que vous avez évoquées aujourd'hui et qui sont celles qui mènent nos travaux. Merci à vous pour merci vos propos très forts. Ça a l'air très bien illustré. Merci.